Enchanté, frérot. Enchanté, crâne. J'ai cru que tu conduisais en chaussettes. J'avais non, pas non, vu. T'as ta béquille folle, frérot. C'est ça. Alors, donc c'est un A45 AMG. Exactement. 2013. Voilà. 360 chevaux. D'origine. C'est ça. Est-ce que tout est d'origine? Niveau moteur, ouais. D'accord, par contre l'extérieur on va vous le montrer. C'est pour ça qu'on va se mettre dans un parking. Tu suis le convoi. On va se mettre dans un parking où vous allez bien voir le coloris de la voiture parce qu'il est assez spécial. Donc on rappelle que c'est un covering que tu as fait. Ouais, c'est un covering que tu as fait, etc. C'est bien parce que j'en ai pas beaucoup vu comme ça. Ouais, je crois même que c'est la première que je vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée Qu'est-ce qui t'a donné l'idée en fait? En fait, à la base, moi j'étais parti sur refaire la peinture de la voiture en blanc mat. Ouais, parce qu'elle est blanche d'origine. Elle est blanche d'origine. Ouais. Et au final, on m'a proposé de faire un covering. Ouais. Donc à la base, moi je voulais faire un covering avant de faire la peinture, mais je trouvais ça trop cher. D'accord. Du coup, j'étais parti sur un covering kaki mat. Ok. Et au final, quand je suis arrivé chez le poseur. Ne dis pas ce que c'est. Ne dis pas quelle couleur t'as choisi. Oui. Quand je suis arrivé dans le garage où il devait faire le covering, ouais, ils m'ont mis devant tous les films. J'étais évidemment un enfant. Et du coup, au final, il y en avait un qui tapait dans l'œil. Et au final, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est les gars du garage et mes potes qui m'ont aidé à choisir. Et on est parti sur ça. Ok. J'étais un peu sceptique au début, je savais pas trop si ça allait plaire, si j'allais aimer ou pas, mais au final, franchement, j'adore. Combien ça t'a coûté? Alors, normalement, le garage, il m'a dit qu'il coûtait 2600€. Ouais. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir à bon prix. D'accord, parce que tu connais les gens et que c'est tes amis, etc. C'est ça. Ok. C'est ta première voiture, deuxième voiture, toi c'est... Troisième. C'est ta troisième voiture. Qu'est-ce que tu avais avant, si c'est pas indiscret? Avant, ma première voiture, c'était... banal pour commencer, un Golf 5 1.9 TDI. Ouais. Et après, je suis passé sur une Abarth, 7500 Abarth. Ouais. Et que j'ai gardé un an et après, j'ai voulu me faire plaisir et je me suis acheté celle-là. D'accord. Combien tu l'as payé celle-ci? Alors, je l'ai payé 37 500. 37 500. 35 000 km. D'accord. Je te conseille de faire attention aux jantes, ouais, dans ce parking-là. Donc, prends bien ton temps. Je vais arrêter de te parler pendant ce moment-là parce que même moi, j'ai déjà fait des conneries dans ce parking, malheureusement. Surtout le truc là qui est là, tu le vois, ouais. La petite borne qui dépasse comme ça, elle est relou. Alors, je vais te passer ma carte parce que toi, à la différence des autres, tu n'as pas à prendre de ticket. Je vais te passer ça et tu vas simplement bipper ça sur récupérer ça après. Tu bipes ça en fait tranquille sur le truc vert. Tu restes posé. Hop, c'est parti. Merci. Alors, j'ai fait tomber mon passeport. C'est génial. Là, tu peux aller direct à droite. Je pense qu'ils sont allés à droite d'eux-mêmes. Parce que c'est pas la première fois. Ah non, ils sont allés à... Va comme eux, tiens, ça ira. Par contre, tu te mettras un peu différemment des autres. Tu faudrait que tu te mettes sous le... Tu vois, entre le truc bleu et la IQ, ouais. Bah comme ça, direct en fait, comme ça. Que j'étais bien sous les néons en fait. Voilà, là si tu peux te garer comme droit. Ça. Voilà, pas droit, comme ça. C'est encore, ouais. Encore. Voilà, alors, tranquille, là c'est très bien. Il fait une chaleur dans ta voiture, frérot, c'est insupportable. Ah ouais, j'adore. C'est insupportable. Oui, parce que toi t'es en t-shirt, t'es pieds nus, frérot. Ouais. Nous on est là... tuning, mais là quoi. Donc on va sortir et on va commencer directement. Tu peux la couper, hein? Tu peux la couper s'il te plaît. Merci. Alors, donc là vous pensez que c'est une couleur qui est... Regardez, c'est un caméléon. Regardez ça. Voilà. C'est un caméléon. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je fais une petite photo. Mais je travaille là. Tu fais pas ça, c'est gentil, hein? Le principe du caméléon, pour ceux qui vivent encore dans des grottes, en fait, c'est que la voiture change de couleur en fonction de la lumière. Regardez là, par exemple, c'est bleu, et là on arrive, c'est violet, etc. Et si vous passez de la lumière dessus, vous allez voir que la couleur varie aussi. C'est un très bon choix que tu as fait. C'est un très très bon choix que tu as fait parce que
on n'en voit pas déjà. Moi, c'est la première que je vois. Le rendu est très beau. C'était un pari assez risqué. Ouais, mais j'aime bien. C'est un pari assez risqué que tu as fait. Comme je dis à tout le monde, je voulais une voiture qui. On la remarque quand on la voit, mais je veux pas qu'on voit arriver à 3 km comme un vert fluo ou un jeune fluo. Ouais, non. C'est très beau parce que là, de l'angle de la caméra, le devant est violet et l'arrière est bronze. C'est très très beau. Je pense que ça lui donne un style. Vous avez osé quelque chose avec les phares teintés qu'on voit devant, c'est très beau aussi. Le logo aussi que j'ai fait teinter. Ouais, le logo aussi est teinté, c'est une bonne idée que tu as eue. On le voit, hein. Ouais. C'est une bonne idée. À l'arrière qui sont pas encore teintés, mais qui sont teintés dans la semaine. Elle est vraiment belle. C'est comme ça, elle est très très belle. Et t'as fait peindre ça ou vous l'avez filmé? Ouais, non, c'est peinture. Ouais, c'est peint. Sinon, je pense que ça aurait été trop compliqué à faire un covering dessus sur ça. Le moteur et compagnie est d'origine, hein? D'origine. Pas de reprog, rien du tout. Peut-être à faire bientôt, je réfléchis encore à un stage 2 avec Dunpipe. Ouais. Voilà, peut-être donner 420 chevaux, donc à voir par la suite. J'y réfléchis encore pour l'instant. Qu'est-ce qui te retient de le faire, ouais? Pour l'instant, le budget, puis j'attends de voir avec le temps, là j'attends de finir déjà tout l'esthétique une fois que j'aurai fini. Qu'est-ce qui te manque à faire dessus? Les feux teintés. Ouais. Et c'est tout. D'accord. Ça sera bien, peut-être 2-3 bricoles. Ok. Regardez. Ça fait combien de temps que le covering a été fait? Je l'ai reçu pour Noël, le 23 décembre. Joyeux Noël, frérot. Joyeux Noël. Depuis, ça n'a pas bougé, hein? Non. Il n'y a pas eu de, ouais, de trucs. Il y a quelques retouches à faire, mais on l'a refait direct, c'est garanti. Ouais. Ok. La journée en plein soleil, ça doit être la guerre. Ouais, franchement. Ça doit être top. Déjà, ils se retournent dessus. Ouais, parce qu'ils savent pas. Ça, c'est rare, hein, tu sais. Ouais. C'est un édition quelque chose ou. Non, c'est juste ce qu'ils appellent le pack aérodynamique. Ouais, c'est un pack aéro. Ouais. C'est, ouais. C'est pour édition, ce qui implique l'aileron à l'arrière, comme ça. Ouais. Et les diffuseurs, comme ça, qui sont là d'une manière sereine. Je peux voir le moteur, s'il te plaît? Qu'est-ce que je voulais dire au niveau de l'assurance? Tu vas payer combien là-dessus, toi? Là-dessus, je suis à 130 euros par mois. 130 euros par mois en tout risque. Encore un peu. Et la consommation? En moyenne, je suis à. Vu que la semaine. Le PEF est la semaine, je roule tranquillement et le week-end me fait plaisir, je suis à 13 litres. Tu roules comme un père de famille? La semaine, ouais. Ouais. Et moi, le week-end? Et le week-end... Comme un diable. C'est ça, exactement. Très bien. On n'en a pas encore fini, hein. Il faut encore que je m'attape au petit groupe là-bas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, frérot. Mais je me dois de faire le tour de la voiture. Une petite étoile sur le moteur. Comme sur le moteur. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Donne un stylo, je vais te la redessiner, frérot. Comment ça se fait que t'as perdu ça? C'est bizarre. Aucune idée. C'est très bizarre, frérot. Je sais pas ce que t'as dû faire, frérot, ce jour-là, mais il s'est passé quelque chose. J'ai essayé d'en trouver. Bah ouais, je sais pas combien ça coûte, mais bon. Bon bah c'est bien fait, hein. Écoute, c'est bien fait. La couleur est vraiment belle. Vous voyez, la couleur est vraiment belle. Ça c'est une bonne, c'est une très bonne chose. Après les jantes elles sont bien aussi. Ah elles étaient d'origine à la base? Quelle couleur elles étaient? À la base c'est du noir. Noir satiné, et tu les as fait peints avec la bande alu. Ouais, ouais. Et là, tu l'as fait en mode. C'est bien, ça grossit les jantes en fait. C'est ça. Ça grossit les jantes et ça, c'est pas mal du tout. Satin, moi je suis pas trop fan, c'est un peu sale. Satin, frérot, ça fait que. Ça fait. Après, sale ou non, je sais pas, mais c'est un peu, on le voit tout le temps, quoi. Tu vois? C'est quoi cette chose? C'est pour accrocher le téléphone. Petit aimant. Ça tient vraiment?
Bah dès que t'accélères non. Ouais. Mais quand tu roules, comme tu disais, comme un père de famille, ça suffit, c'est pas mal. Il est déjà tombé et tout. Ouais. Oh, ça je détesterais. Ça me rendrait dingue. Tu vapotes, frérot? Exactement. C'est à quoi? Framboise. Tu fumais avant la clope? Ouais. Et tu sens une différence ou aucun rapport? Économiquement, ouais, tu sens la différence. Non, économiquement, non, mais sinon, corporellement ouais. Parlant, frérot. Genre ouais. Au niveau de ta santé. Non. Non. Non, non, tu sens pas. Ok. Ça fait combien de temps que t'as arrêté de fumer? Ça va faire 6 mois, je crois. Et t'as réussi grâce à la vapote? C'est ça. En fait, j'avais déjà arrêté une fois, après j'ai repris. Après, c'est j'ai... dur d'arrêter de fumer. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé, frérot. Ouais. Parce que je sais que j'ai pas encore. Pour l'instant, j'ai pas cette motivation et je n'ai pas cette volonté, frérot. Et voilà. Tu m'excuseras pour la saleté, j'ai essayé de la laver, mais. Non, tu sais, j'en vois, frérot, des vertes et des pas mûres à longueur de journée. Ouais. Plus rien ne m'étonne. Donc, non, t'inquiète pas. Donc, on voit que le covering s'arrête ici, évidemment. Ça, c'est la couleur d'origine. Tac, tac, tac. Vous avez compris. Ouais bah puis derrière de toute façon il y a de la place hein. Vous connaissez, c'est une voiture que vous connaissez déjà très bien. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur chaque détail etc. Mais c'est une voiture que vous connaissez déjà très bien. Et celle-ci est pas mal du tout, elle est belle. Et c'est un pari, comme je te le disais, c'est un pari risqué que tu as fait. Mais au final je trouve que c'est réussi. Parce que déjà on n'en voit pas tous les jours. Et de deux frérot Elle est vraiment bien comme ça. As-tu les réseaux sociaux? Ouais, alors les réseaux sociaux, je poste toutes les photos de ma voiture, donc c'est M2JZ Cars. M2JZ. Comme le moteur? Ouais, exactement. Ouais. C'est pas bon ça, mais ouais, c'est ça. D'accord. Tiré du bas, Cars. Ok. C-A-R-S. Donc allez voir, et là, ouais. Tu poses des photos de la voiture, etc. Très bien. Puis, le gars qui m'a fait le covering sur Instagram, c'est UJ Motors. Ok. Donc si je fais une. Ça marche. Petit coup de pub. Si je fais une vidéo, il me fait un covering gratuit, tu penses? A voir avec lui. Bon négocié. Là, je rigole, mon frérot. Moi, je suis pas très covering. Qu'est-ce que je voulais dire? Une fois que j'en aurai fini là-bas, frérot, tu me feras écouter le bruit. D'accord? Voilà, très bien. Tu as quelque chose à dire, à rajouter? Non, bah rien. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Le covering, c'était le plus important. Bien sûr. C'est une très belle voiture. Alors, monsieur l'habitué, frérot. Très bien. Qu'est-ce que t'as rajouté? Tu m'avais dit que tu avais rajouté. Non, pour l'instant rien. Ouais. J'attends toujours mon silencieux. J'ai commandé mon silencieux. Mid-tech. Donc là, concrètement, qu'on refasse vite fait un débrief de la voiture. Comparé à la première fois où je l'avais filmé. Ouais. Tu as changé des choses? Non. J'ai juste commandé des choses. T'as juste commandé des choses. Qu'est-ce que t'as commandé, frérot? J'ai commandé mon silencieux mid-tech qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc tu vas lui mettre un silencieux mid-tech. Ouais. Ouais. La semaine prochaine. Oui. Et normalement peut-être une petite surprise. Tu veux dire la surprise ou tu veux la garder surprise? On va la garder surprise pour l'instant. Une surprise esthétique sur la voiture. Tu vas faire un covering? Oh. Ah, on dirait. Faire un truc qui sort du lot, frérot, je t'en supplie. Hein. Je te la ramènerai. Ah ben avec grand plaisir, mais il faut que tu fasses quelque chose qui sorte du lot parce que. Tout ce qui est covering, etc., j'en vois du soir au matin et il y a un moment, frérot, il faut que tu fasses quelque chose vraiment qui sorte du lot. Ça sent fort là-dedans, frérot. Qu'est-ce que tu mets comme sent bon là-dedans? Rien du tout. Son parfum qui sent comme ça? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Ça sent le saoudien, frérot. Non, c'est pas. Ça sent le saoudien. Moi, j'aime bien quand même, elle est vraiment bien. Est-ce que pour l'instant, tu commences à te lasser ou t'es toujours bien? Non, toujours bien. Pour l'instant, t'es bien. T'as pas encore envie de changer ou partir D'accord. Moi j'aime beaucoup. Moi ce que vraiment je trouve stylé de ouf, c'est tes jantes. Tu peux me rappeler, mon frérot, combien t'as payé ça? Les jantes? Ouais. Valent 2 500 € sans pneus. Et avec les pneus? En gros un peu plus de 3 000 €. 3 000 €, c'est un budget. Ouais. Ajoutez-le sur Instagram, de toute façon vous le connaissez, il est passé dans 10 vidéos. C'est quand même un budget, frérot. Parce qu'en fait moi, j'ai raté mes jantes sur l'Audi. J'aime pas, ça m'énerve, j'aime plus ouais. Maintenant. Et j'ai envie de les changer. Après, ça, c'est du 20, c'est plus cher. Après, toi, si tu restes dans du 19, ça sera déjà moins cher. Je sais pas, frérot, je me pose beaucoup de questions en ce moment. J'ai envie de vendre toutes mes caisses et d'en racheter 2-3, mais tu sais, 2-3 très sérieuses, tu vois. Parce que là, frérot. Quelque chose de vrai, vraiment. Ouais, mon frérot, moi j'ai eu tout à peu près. Donc, quand t'arrives à un moment donné à avoir deux verrous en même temps, qu'est-ce que tu vas faire de plus que ça, tu vois?
À un moment donné, tu peux plus, quoi. Mais bon, je suis en train de me poser beaucoup de questions. Mais j'aime bien. Oh, je reviendrai te voir. Hein, avec grand plaisir. J'aurais fini ça. Non, tu vas pas y échapper. Cette fois-ci, c'est la fois trop. Viens, mais même si tu veux pas, monte-moi un peu quand même, frérot. Dis-moi. Ça y est. Moi, dis-moi. Mais dis-moi toi. T'as une ligne coupée. Ouais. Ouais. Ça te met mal à l'aise le flash? Ouais, très bien. Je t'écoute. C'est une mini coupée. Mini coupée S. Oui. De 2012. 2012. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Comme tu peux le voir, j'ai changé les jantes arrière, mais pas celle de devant. Seigneur. Alors, les jantes arrière sont ici. J'ai bien croqué tout à l'heure. Ah, tu les as faites tout à l'heure? Oui, je les croquais tout à l'heure. Ah, c'est con. Ouais, bienvenue à Paris. Hein. Ouais, ouais. Et j'ai laissé les jantes avant. T'as laissé les jantes d'avant d'origine? Bah, ouais, il faut un peu d'originalité. Non, en vrai, je les ai achetées et en fait, je les ai pétées deux jours après. Sérieux? Comment ouais. T'as fait? Ils prennent une poule. À Paris? Non, à Lille. Non. À Lille. À la maison. Ah, c'est vrai, t'es de Lille, toi, frérot, non? Ouais. T'es de Lille, exact. Mais quand je l'avais vue la dernière fois, la première fois où je l'ai vue, elle était pas comme ça, non? Mais c'était celle-là que j'ai vue? Ouais. La première fois, quand t'avais fait le, qu'on avait fait le U8. Y'avait le modball dessus. Y'avait quoi? Y'avait mes logos du modball. Voilà, c'est ça. Et tu l'as enlevé? Ouais, je les ai fait retirer parce que je la vends. Ok. Tu vas acheter quoi après? Parce qu'elle est vendue. Elle est vendue déjà? Oui. Bon, ajoutez-le sur Instagram. Tu vas acheter quoi? Normalement une S4 Avalis. C'est bien. Tu viendras me la montrer? Oui, avec un petit secret. Ouais, j'ai hâte de voir le secret, frérot. Un secret qui est bien sympa, qu'on voit pas souvent. Ah, c'est la petite phrase, ça qu'ils aiment bien. Je sais. Sauf quand ils savent pas lire l'anglais. C'est toi qui l'as dit, frérot. C'est moi qui l'ai dit. Ah ouais, des fois. Hein. T'as bien vendu ça? Je sais pas, c'est le garage qui l'a reprise. J'ai pris la Ah, il t'a fait une reprise quand même? Ouais. C'est indiscret de te demander combien t'as payé le S4? Non, je l'ai payé 22 000 euros. 22 000 euros un S4 avant, c'est bien. Ouais. Ok. Et tu vas faire beaucoup de modifs sur le S4? Est-ce que ça va être une vidéo de fou que je serai obligé de passer en priorité? Ou tu penses aussi? J'ai ouais. Hâte de voir ça. Je pense. Ne me fais pas attendre dans 10 ans, frérot. Hein? Rapidement. Parce qu'il y a tellement d'attentes que même moi, je sais plus où j'en suis et ce que j'ai filmé, frérot. Parce que là, l'attente d'aujourd'hui, quelqu'un que je filmerai était censé passer à partir du 24 juin. Et nous sommes le 27 février. Donc concrètement, il y aura des vidéos qui sortiront en juin, où je suis dedans, hein, parce que je ne peux pas me permettre à chaque fois de mettre mes vidéos et de bloquer les abonnés comme ça. Où il sera en train de neiger et on sera en juin, frérot. Donc on va passer pour des hubs. Et j'ai calculé, j'ai réfléchi à un truc il y a quelques semaines de ça et j'ai rigolé tout seul. C'est moi, mes vidéos sont planifiées. Donc si je suis raide mort, ça veut dire que je serai mort et les vidéos elles sortiront. Ça veut dire que je me ferai insulter dans la tombe encore, frère. Tu te rends compte? C'est de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Ça donne pas envie, frérot. Ça m'a refroidi, frérot. Mais en tout cas, je suis bien content que tu viennes me présenter ta future voiture. Ça me ferait plaisir. Y a pas de soucis. Vraiment, ça me ferait plaisir. Nous, on se revoit très vite. On va se revoir très vite, frérot. Pour donner un peu d'idées aux gens qui nous suivent, qu'est-ce que tu dois me ramener prochainement? Faut savoir que t'es le macro, frérot, qui ramène tout le monde. Je dois te ramener un RS3 2018. Ouais, celui qu'on n'a pas pu faire malheureusement la dernière fois. Un CLS63 de 900 chevaux. Voilà, celui-là, je fais que l'attente de pied ferme, tout le monde marcelle avec. Et un S8, les tout derniers. Ouais. De 750 chevaux. Ok. Et après, la tienne qui doit repasser. La mienne qui va repasser quand on va sortir là bientôt. D'accord. Et d'autres voitures normalement. Ouais, ça serait avec plaisir. Ça serait vraiment avec plaisir. N'oubliez pas d'ajouter le Mac, frérot, sur Instagram. Refais-moi entendre, s'il te plaît. Refais-moi entendre, tu sais pourquoi? Parce que on va faire entendre maintenant ça, on va faire entendre la 45. Et comme ça, les gens pourront faire le distinguo entre maintenant et après. Et une fois que tu auras fait les mobiles. Pour toi, c'est pas assez le bruit? Non, c'est pas ironique, hein, c'est une vraie question. Moi, je veux qu'il soit plus beau, que ce soit un vrai bruit. T'as fait une carto? Ouais, une carto. Mais elle pète beaucoup? Ouais. Mais à l'arrêt, non? Comment? À l'arrêt, comme ça, pas beaucoup. Non. Il faut qu'on roule. Ouais. J'ai envie de rouler. En roulant, c'est un truc de malade. Mais vraiment, attends le silencieux.
Ok, j'attends vraiment. Ok, vas-y, bah j'attends. C'est mieux. Je peux écouter maintenant, s'il te plaît, la 45. J'ai vu la même chose à Tesla. C'est bon. Oui, c'est barré. D'origine, hein? D'origine. Ouais, tout d'origine. Et j'ai une dernière question avant qu'on clôt, Alex. Oui. Toi qui roule en Tesla, ouais. Qui a vu toutes les voitures de ma chaîne, qui passe ton temps avec tout le monde, ouais. Qu'est-ce que t'achèterais maintenant tout de suite? Sur toutes tes voitures? Ouais. Non, ne parle pas du RS6, s'il te plaît. À part ça. Bah, la S3. Ouais. Ouais. D'accord. Ah, il est bon dans la S3. Ouais. Et pas le GTR? Franchement, après, il pleuvait ce jour-là, les sensations étaient mauvaises, mais. Ouais. Non, le S3, franchement, le son est tellement. Et t'as pas roulé dedans encore. Lequel, frérot? Dans le S3. Bah, j'attends que tu finisses pour qu'on fasse. Mais, très sympa son S3. Et qu'est-ce que t'as pensé du soir où il neigeait un truc de ouf et qu'on était les seuls dehors avec le RS6? C'est très sympathique. T'as vu, c'est un train la bagnole, c'est un truc de ouf. Le RS6, c'est très bien. Très bien. Bah écoutez, merci à tous. Et. Quelque chose d'autre à dire? Bon, non, t'as pas beaucoup parlé? Non, juste tu veux pas trop parler? Non, ça va, tout est bon. Ok, super. Bah écoutez, très bien. Bah je vous dis à très bientôt. À bientôt, frérot. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Alex, dans le vlog, il va sortir de toi et moi. On va se faire insulter. J'attends que ça. Je vais le mettre bientôt. T'inquiète pas. Bon, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.